Encore. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, je voudrais faire un petit... François Bonchot. Vous m'entendez? Je vais faire un petit bond dans le temps, mais j'y reviendrai dernièrement plus en détail. Vous avez plusieurs fois parlé de ce moment où vous étiez à l'ambassade de France avec d'autres, et un cadre Khmer Rouge vient et explique que Pieux-Santon aurait souhaité venir saluer les personnes réfugiées dans cette ambassade, mais qui étaient occupées ailleurs. La question est la suivante, est-ce qu'à ce moment-là, c'était rassurant pour vous, et peut-être pour les autres, si vous en parlez d'entendre citer le nom de Pieux-Santon? C'est vrai. Toutefois, mais de vie, bah, vous avez parlé à cette barre de la bonne réputation qu'il pouvait avoir, compris semble-t-il auprès de vous, de son souhait de promouvoir une révolution par le haut, etc. Est-ce que tous ces éléments-là étaient par nature, dans des conditions aussi exceptionnelles vous tranquilliser, cette référence qui était faite à Pieux-Santon et à son éventuelle présence, n'a pas eu un effet calmant sur les personnes qui étaient là, qui entendaient cette référence. Alors justement, je vais encore un petit peu plus loin dans le temps et je voudrais me référer à deux documents que nous avons au dossier avant de me référer précisément de quoi il s'agit. Donc il s'agit du... des témoignages de réfugiés que vous avez probablement tapé vous-même à la machine, j'imagine, et que vous avez transmis au juge d'instruction après votre audition par celui-ci. Et puis il s'agit aussi du texte d'un article intitulé « Cambodge libéré » que vous avez publié en janvier 1976. Je vous donne les références à ces deux documents, les témoignages de réfugiés. Il y avait deux liasses que vous avez envoyé au juge d'instruction, celle dont je vais parler, qui porte la cote D133.1.4, ERN français 00 41 01 03 79 79, ERN anglais 00 82
03 77 à 78 et Khmer 00 83 61 28 à 29 pour ce qui concerne l'article cambodgien. Il s'agit du document ERN français 02 83 060 Khmer 003 anglais 003 23 68 89. Dans les témoignages de réfugiés, Le 21 novembre 1975, on parle beaucoup de Yang Sari et on voit partout. Ça, c'est le premier extrait que je voulais vous soumettre. Et ensuite, dans l'article daté de janvier 1976, vous écrivez: on parle peu. On parle peu de M. Pierre Sampan. Par contre, les activités de M. Yang Sari sont relatives en détail. Est-ce que vous pouvez, on voit donc là qu'il y a à la fois, dans cet article, on précise que vous parlez de ce que vous entendez à la radio. Donc on voit ici que novembre 1975,
toujours sur le même thème. Qui est un militaire qui avait fui K-U-O-N. Kuon. Qui est un militaire qui avait fui le Cambodge démocratique pour la Thaïlande, et qui avait été interviewé par des journalistes français étrangers. Est-ce que vous avez cité le nom de cette personne ou c'est une D'accord, ma question consiste à vous demander si ce matin, c'est important pour notre équipe de défense, car nous avons sollicité des dépôts dossiers d'interview que ce monsieur a donné. Il expliquait déjà, en 1976, dans la quelle il expliquait déjà, C'était lui le responsable des déplacements de l'Anka. De chine, comme sou, quat anka tienena, quat a mien samamet pot, samamet hem, samamet van, samamet ven. Aïe, comme sou, ta
samamet pot yenuna kyomendan knong sia poini kyom ta samamet pot pahel nun suong pahel tia salut so kamarad hem kyomendan kamarad hem ne kalaino l'eau qui s'en prend. Camarade Samamet Van, qui y est sari. Yung dung ne pile croy. Ne pile croy, yung dung ta nena en cas. Et quatre rot. Quatre rot pi srochma, men men mo pi quatre op en cas, ou sa op, ou pas, pas tirti bataille. Ponte quat mencheng pis rokmae dai quat sa opa kapuchia pati di patai quat pier kluan mo pi onka ai quat ban hat ban rien yuvachun tiene asrae Père Poncho. Mais. Là, je vous arrête. Non, là, il faut arrêter. Ah, je vous arrête. Que se passe-t-il? Bah, il y a une rue qui est là, il y a une Je parle de quelqu'un au singulier, M. Peng Lim Kuan, qui est parti, non pas parce qu'il était un homme. Bah, il y a une rue qui est là, 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 il y a une rue qui est là. Chang nó xong bên to vậy phía sau bàn tiệc nè nơi bên đài lô của thiên ban chào sùng nua lô của xưa lô của thà ta lô của ban vừa vậy là nơi bên đài ngoài hôm trước mà đào thì còn một bên dans les jours qui ont suivi 17 avril le 17 avril et vous avez expliqué que vous avez desservi avec une sorte de guide un peu touristique que vous avez utilisé vous avez traduit cette expression et vous avez raconté que il y avait une résistance des soldats de l'ONU mais que vous avez eu le sentiment que c'était pas ça qui était véritablement ces soldats Khmer Rouge que vous aviez que vous accompagniez, vous avez dit, il voulait savoir où étaient les soldats américains. Est-ce que vous pouvez confirmer ça? Nous avons dit que les soldats américains étaient là. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit. Petman, qui est sur le nom d'Américains, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous Et ne m'ont pas cru. Qui est mon tueur qui a été. Il s'attendait véritablement à trouver des soldats américains. Qui est mon tueur qui a été. Qui est mon tueur qui a été. Américain qui a été. Qui est mon tueur 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 qui a été. Qui est Et son bête à tabatter un peu de main. D'accord. Que ta américain ne se pratique en poutier. Knon pile kaut sans crème. Mien ta knon samay le nol, mien petit prexa américain, ponte knietek. At se miené. At mien ti hien, ni kem som bantia madame tiet. On te knir tek, chum nuan tek.
ceci m'amène à évoquer un autre point de votre déclaration en réponse aux questions de M. le Président, qui concerne le fait que vous avez répété, je crois, plusieurs fois, que, il y avait des agents de la CIA qui étaient là, John Gunther Dinh, Cheng Pi Pate Kampuchea, Tngai Dapi Mesa, Chnam Mapuan Pombonroy, Chetsepram. We have mien pratien CIA pratien CIA ne tim wayen ne tout barang yung dun kup knir yung squal quat do ti yung squal mien la cassette américain mien lokum dun chmok yung plate chmok hai ti pratien CIA ne paté Kampuchea. Je vous remercie. Je voudrais poser une question au linguiste. Parce que vous avez fait un travail impressionnant en écoutant cette émission de radio, comprendre cette neuve langue rouge. Et vous y avez consacré certains passages de votre livre, mais également une grande partie de cet article dont je vous ai déjà cité les références tout à l'heure, Cambodge libéré, paru en janvier 1976. Et je voudrais que cette question sur laquelle vous vous êtes étendu dans l'article 2 du vocabulaire qui était utilisé à la radio, dans la propagande, pour décrire parfois des activités bien banales, ma foi. Vous citez, je cite quelques exemples et je vous laisse en parler. Vous dites, comme exemple dans cet article, lutter pour développer des produits avec beaucoup de courage, lutter pour défricher la forêt, lutter pour élever des digues, lutter pour attraper le poisson, travailler activement, combativement, attaquer l'élevage, attaquer, que pouvez-vous nous dire sur votre compréhension de ce langage étonnant, ce vocabulaire guerrier pour décrire des activités qui parfois sont assez banales? Bayem chang yua lampi robap kmai kaham nung komho robap ni tre nukta kmai kaham ban chay chumne dai vay lonol nung américain dai tumle kwabek ne pati Kampuchea. Ki vay. Qui ban chechumne dai vai e kumang satrau. Oi hai kana ke mien chechumne ki ne ta pra pie da dael. Doi ti sante pie, doi ti san kriem muet mei. Sante pie ti san kriem tmei. Que te vaille commence à trouver une petite knon, et qui a pissé, vaille trois matières d'un bail, banquier, tchoumna,
Mien Paul, do ich ban chumne le kman. Do chne mien samarapum. Mien samarapum pi, samarapum mouk, le front, que samarapum mouk, que tipalai le tumnup. Samarapum mouk, tipalai le tumnup. Samarapum kraoy, la base arrière, que Tveka ne tampum, que mien samarapum mouk. Aïe, ovei tem an, sotae. Et prétietun doikiam pognol prekmeng, qui rieptiam prétietun doikiam toap mouei samrap vai dambei pal dambei bankad pal. Kansruit, les forces d'élite, Kansruit, rue Kantialat, qui est Yuvatun, et qui est là, le Tumnup. Il y a Kantialat. Kraima, mien Kantipi, Kuné, mien Krosa, qui est Feuka, Chnaï, Bantaï. Je n'ai pas tiré un termoul, d'où il y a quand on a moué, d'elle va se mroc dans le banque de Paul. Production. Vous avez d'ailleurs, je crois, dans votre livre, le vocabulaire, Som beta sapngai, yung pra, som dai deicho, chun kal, pra, pia, ruba, khmai ka ham, chun kal, doi tia ploat. Opa mata sapngai, kana yung yei ba, yung ta hop, tia pia khmai ka ham. Mais non, hope, c'est pas espoir, c'est manger. Hope, mais ban manger, c'est ça. Pour continuer sur les réfugiés. Bah là, ils sont maintenant des pays qui ont pire que l'ONU. La position de la Thaïlande. Regarde les camps de réfugiés qui étaient installés sur son territoire pendant cette période de martyr. Moment où ces camps se sont constitués. Quelle était la position de la Thaïlande vis-à-vis de ces camps? Est-ce que vous le savez? Si vous pouvez nous en parler. La position de la Thaïlande vis-à-vis de ces camps de la Thaïlande vis-à-vis de Noyobai thai doi tia piba ke ro payoy ptual kluon, petmen.
Munabong, Kanakum Chlang Prumden, Nakai Usapir Chetsepram, Thai Keta, Kmien Chun Piakluan, Tolteso. Tampet, Kyum Dunchba, pour Yung Mien Metsom Lang, Daita Ban Chlang Prumden, Mien Roi Poanea, Kmai Roi Poanea, Daina Tam Prumden. We have a chnam chetse pram, tangpi chetse pram, chetse pamuei, mien chumrum pahel mopei tam prumden. Ponte thai ki cham, ki ta yung te mul, ta kmai ka ham, tfu no yubai yang mek, ki moi thai, pasen ba kmai ka ham, tfu bap yung, yung na sniem. We hain in a schokma in a schokta yo pamata kubai aranya patet no chna mapuan pambuan roi chetse pamuei no kai mitona chna mapuan pambuan roi chetse pamuei kiam chuo kromuei tie sota meti hien tie sapram colonel Yen Yokman Yokman Ketret Yen Buon Pramnea de Tirkum Kungmu Bontaikum Plechmo Ke Riepcham Kantoap Dambe Vaik Maikahan Attendez, Père Poncho, s'il vous plaît, je vous arrête. Logo Pouk, moi, nous sommes quatre, sommes d'ailleurs au Pouk. Ketret, Kangwana, Yokman, qui ne crame en night au bataille. Ma mère, merci de votre aide, Monsieur le Président. J'ai essayé de vous arrêter, en fait, parce que je voulais que vous disiez de quel pays étaient ces militaires, vous ne l'avez pas dit. Moi, la question que je vous ai posée, je veux savoir quelle était la position, si vous savez, politique de la Thaïlande vis-à-vis des camps de réfugiés qu'il y avait sur son sol. Est-ce que ça les mettait en difficulté? Est-ce qu'il a été question de les fermer? Est-ce qu'il a été question de les cacher? Voilà, ça c'est le sujet pour rentrer un peu plus dans les détails, pour faire en sorte que ma question soit moins ouverte, puisque apparemment elle était trop. C'était le sens de ma question. C'est le sens de ma question. Timoué, Siem ou Thaï, Soktiet, Totuol, Tchoun Piekluen, Dai Pachang, Nank Maikahom. Pontai, Thaï, Troutra, Tchoun Piekluen, Dambeit feu no yobai robatai. We hai tang pichnam mapuan pambuan roi chetse pambuan. Ni chetse pambuan. Mi kal Vietnam chol tagdei Kampuchea. Mien Tchoun Piekluan, Roab Senne, te dal pati thai. Des millions. Et ne pèl nous, thai men prom to tuol Tchoun Piekluan ta te moktiet. We hai, da yo Tchoun Piekluan pa hael bei menne, ke tum le ne t'ngai d'apam pel mitona chnam tietse pambuan, ke tum lea
Samsep Beymen Beymenne qui est tombé chun pierclun Beymenne ne prévihir ne pipnum prévihir et ne pilnou Oui, hai, ne pile nous, en cas saha pratietiet, bancat, un brou, d'un bay, tué, chun pierclouen. Mais non, c'est pas la pronuque. L'un brou, United Nations Border Relief Operation. Pour ne pas être Campuchia, ne pas être Siem, ne pas être Thaï, ne pas être nous, mais il y a un pire cloune, il y a un tel bon sénè. Et pour nous, il y a un paillage qui s'en rappelle que Thaï, ce qui est le nom de un pire cloune, quand il y a un bail, va 40 000 RPK. Pour te dire que je suis mener en night à te moutir. Vous avez dit qu'il y avait à cette époque-là 40 000 réfugiés. Sen balok anunyat. Kemarin-kemarin ye, saya somcuy, mesti bida menang rapat ini. Plus qu'une objection, je voudrais faire une remarque de peut-être de méthode, parce que nous nageons dans la confusion totale quant aux dates et aux époques. J'entends parler de la chronique, je crois qu'en ce qui concerne les chiffres aussi, on est en pleine confusion, donc j'aimerais que vous essayiez de poser peut-être des questions. Ça ne peut venir que vous, que de vous, la solution, je dis. J'aimerais que vous posiez que notre confrère soit invité par la Chambre à poser des questions extrêmement précises, avec des dates précises et des références précises qui évitera peut-être que nous soyons dans cette confusion absolue à l'instant présent. Merci. Pour répondre à ma consoeur, je suis ravi simplement, comme vous le savez, Monsieur le Président, et comme vous le savez également, chaque fois, le problème est que les questions, quand elles sont trop précises, ce qui peut faire l'objet d'objections, à cause de suggestions qui sont faites de ma part, au téléphone. Donc, c'est la raison pour laquelle je commence par une question ouverte, effectivement, le problème d'interprétation qui font que les choses ne sont pas forcément aussi précises. Pour préciser le sens de ce que vous venez de dire, nous avons entendu qu'il y avait 40 000 réfugiés en Thaïlande. Est-ce que c'est ce que vous avez dit? Ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il y avait une tension qui était sensible dans ces camps de réfugiés qui sont par essence des personnes fragilisées et est-ce qu'il y avait une menace qui posait à votre connaissance sur les réfugiés en Thaïlande d'être renvoyés au Cambodge par la Thaïlande? Est-ce qu'il y avait une menace qui posait à votre connaissance? Dal Chitsep Mbey, ne pel Campuchia, Prachiti Patai, ne pate Campuchia. Mien chun piaklua ne pate Thai, pahel pramene. Thai mense pinchet nung chun piakruen, pontae ke troam totul. Si, il avait d'autres choix. Totul.
ai tam pel velia chun kal ke samlap chun piekluan dal chol ma pate kampuchia ke samlap chun piekluan roa poan ne ku chun piekluan dal ma pi kampuchia tes roktai. Et ne pilnou, ne chnam tietse pa mouei, mien kmae kla, tihien kmae kla, doikion prap chmo en bagmen, doiki yokman, kang vanna, ketret, ban bankat, kang toab dambei prachang kmae kham. Pontai thai chunkal anunyat aiket vai kmai kham chunkal ki men anunyat oui hai ke somla père Poncho s'il vous plaît ok somla mal pok khnyom som kat lo pok. Les tailles ont tué ses commandants? Ce sont les Thaïs qui les ont tués. Quand John Jet Thaï a des enfants, mais j'ai gardé une commande en lui. Quand toi Thaï semblab mette une commande, d'être prêchant non commande comme. Est-ce que cette situation que vous venez de décrire, en plus de celle de grande faiblesse dans laquelle sont de facto des réfugiés, est-ce que cette situation politique supplémentaire que vous venez de décrire pouvait, lors de vos entretiens, notamment avec les réfugiés, entrer en ligne de compte dans la description que pouvez-vous faire les réfugiés de ce qu'ils avaient vécu en Cambodge? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez tenu compte? C'est pas les Khmer Rouges qui disaient la vérité. Ni mien panha ba prai pet pakat men kyom ni isa ke ba prai khmaou. Do tier yeung te ta te muktiet mon kaot. So ma pito on ta kyom chang ni barang pour kyom klai ta kan défense ke ta kyom comme tu es kan procureur. J'ai peur que vous dites que je préfère la défense, si je parle français, parce que vraiment il y a un problème de traduction depuis le début. Si la défense, non, si l'accusation ne voit pas d'objection, je parlerai volontiers en français, mais j'ai peur que vous dites que je favorise la défense. C'est pour ça que... Alors... Reposez votre question. Bah, là, c'est un peu comme une vie, c'est un peu comme une vie.
Non, je pense que vous y avez répondu malgré tout. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Le contexte politique où les réfugiés en Thaïlande étaient oppressés par l'armée thaïlandaise, chose qui est exacte, ils étaient enfermés derrière des barreaux et les Thaïlandais sont thaïlandais n'étaient pas tendres pour les Khmer. Mais en dépit de cette pression thaïlandaise, démocratique, on peut moralement avoir la conviction qu'ils disaient la vérité. Vous avez expliqué la situation. Avant de venir interroger ces gens, certaines personnes les identifiaient pour vous, voire prenaient en note des entretiens avec des réfugiés. On a raconté tellement de bêtises sur mon cas en particulier. Vous prenez la libération suite à libération sous un titre curé, journaliste, espion, Je n'ai jamais désigné des candidats pour que je les interroge.
Je n'entendais absolument pas que ce soit clair entre nous. Tel ou tel journal français. Dans votre livre, vous expliquez que vous parlez des 12 commandements révolutionnaires. Et vous dites aussi que les réfugiés que vous rencontriez connaissaient ces 12 commandements. Dites aussi que les soldats qui gardaient l'ambassade de France au lendemain de la libération de Phnom Penh les récitaient chaque matin. Alors, ça laisse quand même supposer qu'il y avait une certaine rigueur morale au sein de la propagande, je confirme tout à fait que les disciplines commettaient très morale en n'hésitant pas à tuer s'il le fallait. Mais sur le plan des meurtres, notamment des meurtres sexuelles, je peux dire qu'en gros, il y a eu des dérapages, mais en gros, ils étaient très moraux. Je vous remercie. Monsieur le Président, Monsieur le Président, je vous remercie. ហើយសំណាកការនៅថ្ងៃស្អែកនេះអង្គជំរះនឹងបន្តធ្វើសំណាកការស្ដាប់ទៅខែកម្មសាស្ត្រីផងសួរផងសួរដែលនឹងសួរដេញដោលឲ្យក្រុមមេធាវីប្រកាសពីក្តីបញ្ចប់ហើយសូមភាគីនឹងសាធារណជនជ្រាបលោកផងសួរផងសួរការស្ដាប់ទៅខែកម្មរបស់លោកនៅបន្តចប់នៅឡើយទេអង្គជំរះនឹងធ្វើសំណាកការបន្តស្ដាប់ទៅខែកម្មរបស់លោកនៅថ្ងៃស្អែកទៀតដូច្នេះអង្គជំរះសូមកោះអញ្ជើញលោកមកបន្តដល់ទៅខែកម្មនៅថ្ងៃស្អែកទៀតហើយចាប់ដើ